L'auteur Marie-Renée Lavoie a grandi dans le quartier Saint-Pédis, ici à Québec. On l'a connue en 2010 avec le roman « La petite et le vieux » qui se passait dans le quartier Limoilou. Et elle nous revient avec son quatrième roman adulte « Les chars meurent aussi » qui nous transporte dans la basse ville de Québec dans les années 90. Comme je suis dans Limoilou, hein, je suis dans un milieu que j'ai très, très bien connu, ça impliquait pour moi de revoir la langue, la question de la langue parlée qui est très, très présente dans mon œuvre. Le titre nous donne déjà le temps. Oui, déjà, on a la couleur avec le char au lieu des automobiles. Ça vient avec un langage coloré qui est très particulier, qui est très, pour moi, très précieux. Il y a toute la question des premières fois, mais il y a aussi l'espèce de regard critique qu'on porte sur son milieu, quel qu'il soit, avec ses beautés, ses laideurs et tout. Et donc, Laurie, le personnage, se retrouve un peu confrontée avec un milieu qu'elle voit sous un autre angle, avec un autre œil. Jusqu'à quel point c'est important le lieu d'un roman? Est-ce que tu l'imagines tout de suite? Est-ce qu'il fallait que ça se passe dans ce lieu-là? Est-ce que ça devient un personnage? Tout à fait. Oui, parce que c'est même l'espèce de trame qui est en filigrane partout. Et j'ai vraiment une affection très spéciale pour... C'est ça, j'appelle les petites gens, mais les gens qui viennent des milieux populaires. Quand je me ferme les yeux puis j'essaie de construire un univers, bien, c'est les ruelles de Limoilou qui apparaissent, c'est les duplex, les triplex, c'est les chats dans les ruelles, c'est... Je peux rien faire comme ça. Est-ce que tu accepterais de faire visiter ton Limoilou à Maxime qui ne connaît pas du tout Limoilou? Oh, avec plaisir! Marie-Renée, nous voici dans ton Limoilou, dans Saint-Pédis exactement. Là, fais-moi découvrir, je ne savais même pas avant ce matin que ça existait, Saint-Pédis. C'est quoi? Bon, Saint-Pédis, c'est un petit quartier excentré un peu par rapport au vieux Limoilou. Donc, on est coincé entre Saint-Pascal et Saint-Albert-le-Grand, Saint-Fidèle. Ben c'est ça. T'as grandi ici, là. J'ai grandi. Je suis née sur la rue de la Ronde et j'ai passé tout mon primaire ici. Ça, c'est l'école primaire qu'on voit. Qu'est-ce que ça te fait de revenir ici ce matin? Bien, c'est drôle, hein? Je regarde l'école primaire. je me rappelle de M. Barakat, que j'ai eu en sixième année, qui m'a appris à écrire. Tous les matins, il fallait faire de l'analyse grammaticale, qui est le père du pianiste Steve Barakat, d'ailleurs, qui venait des fois nous faire du piano. Donc, c'est plein de beaux souvenirs, évidemment. Et tous les petits malheurs qu'on vit dans les cours d'école et les premières amours, et voilà. Les grands drames de la jeunesse. Les grands et les petits, tout s'est passé là, oui. Marie-Renée, on est rendu au domaine Maizeret, magnifique endroit. Ouais. Qu'est-ce que ça te rappelle? Qu'est-ce que ça te dit, le domaine Maizeret? On venait tout faire ici. Là, je descendais en vélo de chez nous. Il y a le petit marais ici. On passait, il y avait des cubes de scène, on mettait ça sur le marais, puis on jouait à se battre dans le marais. Puis après ça, je suis devenue monitrice ici à l'âge de 15 ans, à peu près. Je suis venue beaucoup, beaucoup. Bien, évidemment, ça ici, la petite chapelle, ça a été le camp, le repère des moniteurs, le chalet Lacroix aussi. Puis évidemment, bien, c'est magnifique, Marie-Renée, maintenant, à Maizeret, c'est beau partout. Donc, bien voilà, ça me rappelle plein de choses. Marie-Renée, le cégep de Limoilou, ça représente quoi pour toi? Ça représente peut-être le carrefour où mes deux passions se sont mêlées, la science, les lettres. Et c'est là où tout est parti. Mon amour des lettres et de l'enseignement, oui, c'est ça. Quel genre d'élève, d'étudiante étais-tu? Bien là, la petite gang de sciences, on se tenait aussi dans la bibliothèque, dans l'aquarium de la bibliothèque. Il y avait un petit local vitré, puis on avait comme la mainmise sur ce local-là. Du matin au soir, on mangeait, on étudiait, on vivait là-dedans. Donc, j'ai passé ma vie dans l'aquarium de la bibliothèque. Beaucoup, beaucoup. C'est là où le temps se passait, oui, beaucoup.